Maintenant qu'on a conditionné nos cordes vocales à se mettre en vibration de manière douce, il va falloir qu'on optimise ce son initial par les résonateurs. C'est-à-dire qu'on va faire résonner, on va chercher des points de réverbération pour amplifier ce son de manière naturelle avec vos cavités de résonance, la mâchoire, le palais, la langue, les lèvres, le pharynx, etc. Les mâchonnements sur le son bouche fermée, sur le « m », donc on va bien lâcher la mâchoire. Comme si on mâchait un chewing-gum ou en mode vache qui broute. Et surtout, ne pas figer dans les aigus. Des sons bouche fermée sur mum, donc on va conserver la sensation du un son très résonnant ici au niveau des os de la face, et on va essayer de garder cette sensation en ouvrant sur les voyelles. Je fais bien circuler mon son. Et je monte par palier. Maintenant, on va placer donc le M au niveau du masque, de la face. C'est un son très résonnant, son bouche fermée. Puis on va l'ouvrir sur le M de parking. Quand vous faites un arrêt sur image du son de parking, vous sentez que ça résonne au niveau des arêtes du nez. Et puis, quand on a placé le M, on redescend en bouche en faisant un O. Je vous montre. Et quand je maîtrise celui-là, je vais me balader entre le nez et la bouche comme ceci. Donc c'est le palais qui fait ça, qui s'abaisse et qui s'élève. La langue est tranquillement installée, pointe contre les dents. Et c'est la base de votre langue qui va tracter en bas, en haut. Le i buzz sur une sirène, je vais placer un i ici sur les dents en faisant résonner, en faisant vibrer mon doigt. I ou un u. C'est tout petit, mais ça doit se sentir sur le doigt. Une fois que vous l'avez sur le doigt, en lâchant bien les commissures, en lâchant bien la mâchoire, vous allez le placer sur la petite bosse qu'on a derrière les dents, comme ceci. Donc vous êtes bien attentif à la sensation vibratoire du son sur le palais. Cette sensation, elle demeure même dans les aigus, surtout dans les aigus.